Tu sais qui vient cet après-midi? C'est quelle copine qui vient? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous on se réveille doucement. Oh, j'ai trop bien dormi sur mon nouveau matelas, c'est un truc de ouf. Et je vous jure que j'en fais pas des tonnes. J'en fais pas des tonnes, mais en fait ça me rappelle le matelas que j'avais quand j'étais étudiante à Bordeaux et je dormais trop bien dessus. Et j'ai jamais retrouvé un matelas comme ça. Et là, franchement, je suis trop bien, quoi. J'ai l'impression d'être dans un cocon. C'est ça. J'ai l'impression d'être dans un cocon. Bon, bah, nous, on se prépare. Ediora, elle prend son petit déj. Moi, je vais m'habiller. Et je vais l'habiller aussi. Et ensuite, direction l'école. Ce matin, j'ai pas mal de taf. Après, elle dit au cinéma avec ma maman, voir le crime de l'Orient Express. J'ai pas mal de choses à faire parce qu'on a des invités ce soir. Bon les pandas, comme vous l'avez vu, le matelas est toujours là, mais normalement on est censé s'en débarrasser cet après-midi parce qu'il y a quand même Nico et Lisa qui viennent dîner. Hop, je suis dans le noir. Là je vais rejoindre ma maman et on va au cinéma toutes les deux. On va voir le crime de l'Orient Express, je vais y arriver. Donc voilà, je suis contente. Je suis en mode nature, hein, pas de maquillage aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas. Là j'ai pas mal bossé sur le room tour. Et ensuite, il faut que je monte le vlog quand je rentre et que je fasse le ménage et que je fasse un milliard de trucs. Donc c'est show time aujourd'hui, les amis, show time. J'ai retrouvé ma petite maman, on va au ciné. Ça, je vous l'ai dit. Et il fait froid et on n'est pas coiffé, hein, toutes les deux. On n'est pas coiffé. Heureusement qu'on n'a pas le même manteau aujourd'hui parce qu'on a mis le même chemisier. Allez, mamie, danse. Danse sur la petite sirène. Bon, on s'est installé avec nos petits pop-corn, hein, chacune son pop-corn. Petite boisson là au top, on est bien, au top. Bon, le film était super, franchement on a adoré, il est magnifique, super bien réalisé, le jeu d'acteur est dingue. Bon, l'histoire, moi je m'en rappelais plus, figurez-vous que je m'en rappelais plus, j'étais persuadée de la connaître mais pas du tout. L'histoire est ultra émouvante, c'est vraiment très très bien, c'est très très bien sous tous les aspects. Il faut lire le livre, donc je pense que je vais me prendre sur mon Kobo là, sur ma liseuse que j'ai mis de côté depuis un moment, un ou deux bouquins d'Agatha Christie. Et voilà, donc là je rentre à la maison, maman elle va rentrer chez elle et voilà. C'est Papa Loïs qui nous a préparé le déj. Alors ce sera viande et pâtes au fromage pour Papa Loïs et pour moi ce sera viande et légumes. Voilà les petits légumes d'hier que j'ai mélangés. Banap ! C'est pas bon ? La viande est dégueulasse. La viande est pas bonne ? C'est la viande que j'ai achetée chez Auchan hier. Ouais, mais le problème c'est que pour ce soir c'est la même chose. Le rôti ? T'as tellement jamais. Tu crois ? Mais regardez qui est arrivé ! Ils sont trop beaux nos petits corsicos. Ça va? Tu sais que j'ai dit à Loïs de pas dire de gros mots quand t'étais là, sinon ouais. On allait se faire gronder par tes parents. Attention à papa Loïs. T'es content toi? Parce que si on mettait un petit cochon, je suis pas sûr que ce soit pas Rebecca qui mette le plus de sous quand même. Histoire, ça. Bon, ils sont partis faire leur petit goûter en amoureux, ils nous ont laissé et là, je suis trop contente de la garder d'ailleurs. Et ils ont ramené ça pour les filles, c'est des petites guimauves au chocolat Michalak, trop chouquettes. Il y en a une rose, une marron et Ella est en train de jouer. Bon là c'est un peu le bazar, on est en train de faire le ménage. Mais Ella, elle est en train de jouer dans la chambre d'Eliora. Coucou Ella. Papa Loïs qui fait la vaisselle. Regardez-moi, l'ingénieur en chef de la maison. Mais enlevez le calcaire, hein, il part pas tout seul. Mais en fait, il suffit de prendre ça, tu vois, et de laisser tremper 20 minutes, et après voilà, il part. Parce que moi j'ai le temps, là. Moi je suis quelqu'un qui a du temps, moi. Ah, en tout cas, tu me fais rire, mon chéri. Tu me fais rire. Bon, Ella, qu'est-ce qu'on va faire, là? Qu'est-ce qu'on va faire, Ella? On va chercher Ellie? Elle vient? Tu viens? On y va? On va chercher Ellie et papa maman ils viennent après. Allez, c'est parti. Papa maman, il est contre mon routier, il veut les manger papa. Tu vas manger papa et maman? Oh les pauvres. C'est bizarre quand même. Tu veux manger tes parents? Quelle drôle d'idée. On leur dira, hein? Tu leur dis? Tu leur dis? Et là? Tu leur dis je veux vous manger. C'est papa, maman. En entier. Tout cru. En entier. Et voilà, on a récupéré Ellie. Et elles sont trop mignonnes toutes les deux. Ça va, mon cœur? On va jouer. Vous allez jouer? On va d'abord chercher le goûter à la boulangerie, là. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ça sort.
Sinon, t'es contente d'avoir retrouvé ta copine là? Oui. Vous arrêtez pas de vous faire des câlins et des bisous depuis que vous vous êtes revus. Je vais l'enlever là, parce que là, il fait chaud. Oui, on va l'enlever à la maison, le manteau. Allez, let's go à la maison. C'est où la maison, Yora? La blonde et la brune. Non, c'est fermé là. On n'est pas obligé de fermer la clé ici. C'est parti, attention la porte. Bon, papa Loïs, tu vois que deux, c'est pas si compliqué. Bah, quand ça sont du même âge, c'est même top, on n'a plus rien à faire. Oui, mais tu sais, quand on va avoir un deuxième, ce sera pas du même âge. On peut pas l'acheter au même âge? Non, c'est trop tard. Il aurait fallu la faire tout de suite. Bah, on va faire une proposition à Alice et Nico, je suis sûr que... Tu crois qu'ils vont nous la vendre? C'est une question de budget. C'est une question de prix, tu crois? On va voir ça avec eux ce soir. Tu veux que je baisse le spectacle de marionnettes, chérie? Oui. Ça marche, je vais le faire et je vais sortir les marionnettes. Vas-y, mon cœur. Hop, le spectacle s'est baissé et les marionnettes, elles sont par là, je crois. Et il y aura les marionnettes, je les laisse dans le tiroir et quand tu veux les utiliser, tu les prends dans le tiroir, ok? D'accord. Tu le ramasses? Bravo mon ange. Non, c'est Maba. Maba. Attends, c'est mon cœur. Non, c'est mon soya. Prends la princesse, c'est là qui est par terre. C'est la princesse. Et Yora, elle prend Guignol. Non, pas. C'est toi qui fais, tu sais pas faire les. Coucou Guignol. Trop cool. C'est un secret. C'est un secret? Oui. D'accord, mais je m'en vais alors. Je pense qu'elles vont me retourner à la chambre les deux là. Je sais même plus ce que je vous ai blogué ou pas. Du coup, les filles ont mangé des pommes de terre à la friteuse sans huile avec un cordon bleu chacune. Puis elles s'entendent, mais c'est l'amour vache quoi. Tu vas lui faire un grand café, Ella? Il ne veut pas du café. C'est l'amour vache. Elle préfère un thé, chérie. Tu lui fais un thé, hein? Elle préfère un thé, elle veut pas de café. Bon voilà, c'est l'amour vache, un coup oui, un coup non. Elles s'entendent super bien, je crois que comme les mamans et comme les papas. Il y a internet qui bug grave à la maison, free, déconne complet partout. Du coup les garçons étaient en train de regarder le match, ils peuvent plus que le voir sur l'iPad en partage de connexion. Mais c'est pour Ella, oui, va lui donner. Ah, Elissa, j'ai eu... Nous on a fait péter les bulles, on sait pas ce que c'est un cadeau qu'on a eu, c'est pas un champagne rosé parce que c'est très sucré, c'est du Buget, B-U-G-E-Y, je sais pas ce que c'est, bon l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé, est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais voilà Manu si tu passes par là, je sais pas si tu regardes les vlogs, mais merci pour ce cadeau parce que en tout cas Elissa et moi on adore, je pense qu'Elissa elle va se faire la bouteille, là elle est partie. Hein. Je suis très respectable. C'est sucré, c'est bon. Ouais, c'est super bon. T'aimes bien Nico, toi? Oui, je trouve ça très bon. Il y a que Loïs qui aime pas ça. Ouais. Parce qu'il a pas, il a mauvais goût, Loïs. Sucré, hein. C'est pas trop un mec tout court, quoi. Il aime que le chocolat, ouais. Et les patates et la viande.
Moi, honnêtement, alors, ce sera la moitié. En dessert, on se fait une petite galette. Bon 8 pour moi, ma part. Ouais, tu coupes en, tu coupes. En 6, allez. Non, mais gardez comment. Pour le petit déjeuner. Non, mais nous, on mange pas ça. C'est mais par contre, on fait comment s'il si y en a aucun qui a la fève? Tu le donnes, on coupe en 4 et on regarde aussi à la fève. Avec mes mains, elles sont propres. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, Nico, touche avec tes mains. Cela ne nous regarde pas. Remarque, on sait que ça fonctionne, hein, il a un enfant. Hein. Elle est tellement feuilletée que. Non, c'est quand même une belle boulangerie. Hein. C'est une très belle boulangerie. Ça se voit hein, déjà. Putain, la franchit pas. Attends, excuse. Loïs, s'arrête. T'as vu que je suis pas tombé sur la fève pour l'instant. Non, mais ça c'est. Après, tu refermes et on fait pour. On... La plus jeune. Oh, quel dommage. Non, c'est pas moi la plus jeune. Ah, écoute, je te la coupe en 6. C'est pas Loïs. Mais moi je suis la plus vieille. Arrête de me prendre pour une vieille tout le temps. C'est Lisa la plus jeune, c'est un bébé. T'es pas plus vieille que moi. Mais je suis du 24 là, le 24 j'ai 30. Oui. T'es plus jeune que moi. 31 moi. Ah, 31 allez, toi. Hop, moi je l'ai déjà et je suis. C'est Lisa la plus jeune. On passe pas les invités sous la table. Arrête de croire que je vais passer sous la table. Non mais ça va. Du coup, tu as quel âge toi? 38. 38 mon gars. 38 ans. 38 ans le papy. Ça, tu avais été 40, ça va te faire un. Eh. Ah ouais. Et dans 2 ans, c'est demain. Ça va être magnifique. Bah ouais, c'est demain, 2 ans. C'est demain. Et vous venez. Hein. Et vous venez. Hein. Moi je sors ce week-end des 40 ans dans le meilleur. C'est mon ami. Non, elle a l'air de tuer. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est très la boulangerie. Ça a l'air pas mal du tout. Bien feuilleté et tout et tout. Oh, ils sont amoureux. On l'a encore. Encore. Couple marié. Je vois la fève, on la file à Loïs. C'est les noces de coton, les premières noces. Et oui, c'est ça. Hein. Et ouais. Et on a fait quoi? On avait regardé pour un mois de mois. Un mois, c'est noces de paillettes. De paillettes, ouais. C'est un troll qui pète des paillettes, un troll qui pète des paillettes. Tu l'as pas fait, non. Ils sont partis, je vais pas beaucoup vlogger parce qu'on a pas mal discuté. Ça faisait un moment. Enfin, ça faisait depuis cet été, du coup, qu'on s'était pas vu. Non, on s'était revu quand même pour la roche-posée avec Elissa. Mais c'est toujours un kiff de les avoir à la maison. Et puis là ce soir je suis fou, bien fatiguée. Du coup bah, j'espère que ce vlog vous a fait plaisir. Moi j'ai adoré passer du temps avec Ella. Franchement elle est trop mignonne cette enfant. Elle est adorable, elle est hyper en avance. C'est un bonheur. En plus avec Ellie elles se sont trop amusées. Elles s'entendent vraiment très bien. Et Elie, elles s'entendent bien avec les enfants. Mais pas forcément très longtemps. Et là franchement elle s'est vraiment bien entendue. J'ai adoré. Et puis Elissa et Nico, c'est vraiment des amis quoi. On les adore, on les aime fort, c'est des amis. Donc voilà, là ils viennent de partir, on les voit peut-être demain, on va voir si on s'organise un truc. Moi je vous avoue qu'en ce moment j'ai un peu chaos. Du coup Elie, on l'a couché tard, donc on va pas la mettre à l'école demain, mais c'est mercredi. Franchement 5 jours, la semaine de 5 jours ça la fatigue trop, donc ça arrive de temps en temps qu'on la mette pas le mercredi, voilà. Bon ben j'espère que cette journée vous a fait plaisir. Moi je vais me coucher, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Et voilà, cette journée est terminée. Que vous dire, c'était génial de les retrouver. Et vous verrez dans le vlog de demain, on va se retrouver à nouveau. Mais cette fois, on retourne à l'aquarium. Mais c'est un petit peu particulier. C'est surtout pour les enfants, pour les filles. Je pense qu'elles vont bien kiffer. Voilà, si ce vlog vous a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'est complètement gratuit. Pour ça, c'est très simple. Tu cliques là sur ma tête. C'est un dessin qui a été fait par Gaëlle Lamoureux, que tu peux suivre sur son Instagram d'ailleurs. Et je te mets également une petite vidéo que tu n'as peut-être pas encore vue. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!